L'opération de règlement par chèque annoncée par le gouvernement est effective depuis ce matin. Le paiement aux bénéficiaires se fait bien par chèque à la CDC, caisse de dépôt et de consignation. Le constat de nos reporters Frédéric Yendamoukoula et Meda Ringuing. Vérification des noms sur les listes, paraphe des documents. Voilà que le gouvernement gabonais vient de réaliser sa promesse relative au paiement des loyers à travers cette procédure mise en pratique à la CDC, la caisse des dépôts et de consignation. Des états ont été établis par rapport aux dossiers qui ont été déposés au ministère de l'économie après traitement. Et nous sommes, on va dire, la phase comptable. Donc voilà, nous procédons au paiement en promettant des chèques à chaque bailleur qui vont se faire payer au niveau de la caisse de la CDC. Je peux vous rassurer qu'ils sont effectifs et ça devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'opération. Chèque en main et après avoir perçu leur droit à la caisse, les bénéficiaires en sont ravis. Je suis venu percevoir ce qui m'est dû. Et comme je l'ai reçu ce matin, je suis contente. Je me suis rendue au CDC, j'ai perçu effectivement mon loyer du compte du mois d'avril. Une satisfaction tout de même mitigée pour certains qui attendaient un peu plus. Je suis dans la catégorie des petits bailleurs. J'ai des locataires qui, par la faute du confinement, ont dû arrêter leurs activités. Après, quand nous, on respecte effectivement les mesures qui ont été données et que par la suite, nous ne sommes pas du tout satisfaits, vous voyez quel est le désarroi des populations. J'ai au moins 8 loyers. On vous a payé un seul. On m'a payé qu'un seul. Il s'est agi là de la première vague de règlement de loyer par chèque. La vaste opération de paiement de loyer suivra son cours au fur et à mesure selon les autorités.